continent, à nous deux, ça s'appelait. Puis c'est là que mon métier d'acteur a commencé. Au secondaire, je me suis plus enligné là-dessus. J'ai fait au Collège français concentration art. Okay. Donc il y avait théâtre, multimédia, art plastique. C'est là que j'ai développé un peu mon côté artistique. Et j'ai fait plusieurs pièces de théâtre, des premiers rôles, des trucs comme ça. Puis ça m'a donné la piqûre. Après le Collège français, je suis parti un an pour Class Afloat. C'est 6 mois sur un bateau, un 3 mois, un voilier. Donc on est l'équipage, on fait la bouffe, on fait tous les travaux, on a des chiffres de jour, chiffres de nuit, plus l'école sur le bateau en même temps. C'est, donc il fallait monter dans les mâts, de faire les voiles. Par la suite, c'est ça, j'ai commencé technique policière à John Abbott. J'ai fait 3 ans là. Puis après ça, j'ai fait Université de Montréal, j'ai fait 3 certificats, dont un en criminologie, un en santé mentale, puis un en gestion appliquée à la police. Pendant tout ce trajet-là, j'avais l'acting qui était présent aussi. Donc c'est là où ça se connecte là, un peu. Tu le regardes sur papier, tu te dis « Ok, ça pourrait être cool. » Puis la première fois que tu te mets nu devant une centaine de personnes, bien, c'est qu'à l'affaire, on a une poche de thé qu'on appelle. Okay? Fait que c'est comme un bonilon coupé avec un lacet. Tu te rentres le machin. Tu te fais un nœud. Fait que t'as juste ça, mais tu sais, on s'entend un bonilon, tu vois à travers, tu vois les fonds pareil. J'ai jamais été très pudique, si on veut. Là. J'ai jamais été très réservé de moi-même. Ouais. Mais là, fallait que je me dépasse un petit peu. Là. Salut. Pour ton dérangement d'hier. Non. J'en veux 10 demain. Chris, t'as pas travaillé. Si je me ferme la gueule, tu me donnes 9 autres biens comme celle-là. Ouais, chier, man. Les boss sont déjà assez sénères avec les bugs qu'ils surveillent. Tu penses vraiment qu'ils vont aimer apprendre que le doorman prend des commandes en essai? Pis en plus, il s'enfile les bonnes femmes dans le sud d'hôtel. Esti chien sale. C'est pas juste à ça l'argent, toi? Toi, tu penses à quoi quand tu fourres ta queue dans n'importe qui? Certainement pas ta mère. Je te jure que si tu mets David au courant, tu vas perdre plus que tes dents, mon tabarnak. Ça m'aide à avoir des rôles, mettons, plus... j'ai fait plusieurs policiers dans différentes séries. Mm-hmm. Ton train de vie, dans UT9, je suis un gardien. Donc, c'est souvent l'erreur qui peut être commise, c'est d'en mettre trop. C'est juste dans la manipulation d'un suspect ou d'une victime ou d'une arme. Mm-hmm. C'est des choses qui, si tu sais pas, mais ça peut paraître facilement de base à la télé, mais tu sais... Ouais. C'est ce qui fait que le show a l'air vrai. J'ai fait de la danse pendant 6 ans et demi, quasiment 7, à Danse Mon Action. C'est très réputé. D'ailleurs, j'ai fait un show Gala Artiste. Fait que ça m'a amené à avoir d'autres rôles, d'autres trucs, dont Cheval Serpent, où est-ce que la danse était... Fallait se débrouiller, si on veut. Là. Sauf qu'on a eu des bonnes répétitions, on a eu un bon coach, on était bien encadrés, là, mais ça m'a aidé. J'ai toujours fait un peu de sport en SL, comme la danse, ou j'ai jamais été dans le hockey, ou j'ai fait du soccer un peu plus jeune. Mais ça, c'est vraiment mon sport. J'ai commencé ça, puis j'ai trouvé un intérêt immédiatement. Puis j'ai avancé à ça. Fait que j'ai fait beaucoup de formations d'entraîneur, de nutritionniste,
j'essaie de me garder à jour dans mes affaires pour être top-notch, là, pour être un bon coach. Puis je m'entraîne 5-6 fois semaine, 3 heures par jour. Premièrement, je suis chargé de projet dans la compagnie. Okay. Donc, je m'occupe à ce que les projets viennent à terme correctement. François Noël, qui est le président de la compagnie, s'est associé avec Pierre Paquet, qui est mon père. Okay. Puis, en fait, les deux m'ont proposé une job d'été il y a 2 ans et demi. Finalement, après quelques mois, ils ont fait « Bon, ben, t'es dévoué, on va te donner, on va t'offrir des parts. » Ils m'ont fait choisir actionnaire de Thinking Habitat. Donc, chaque conteneur est un module séparé qu'on envoie. Puis après ça, à l'assemblage sur le terrain, bien, on vient souder nos conteneurs ensemble. Puis on fait la finition intérieure. On construit de mini-chalets à 640 pieds carrés jusqu'à... Bien, tu vois, on a des projets hôteliers qu'on va faire là où est-ce que ça va être, je pense, au-dessus de 100 chambres. On a une usine, où est-ce qu'on préfabrique tout, tout dépendant de ce que le client a besoin. On vient couper les conteneurs, on fait nos ouvertures, tout ça, on vient isoler. En usine, on fait le revêtement, le plancher, on va jusqu'au gypsum, on peut même faire les joints avec le plâtre. Donc on peut s'avancer beaucoup en usine en tant que tel, puis on est à l'abri des intempéries. Okay. Fait que ça, c'est très pratique. On offre une variété de produits aux clients qui permettent, entre autres, d'être autosuffisants. Donc, par panneaux solaires ou éoliennes, okay. Ou les deux, on peut avoir des mix. On offre aussi des toits verts, donc ce qui est très bon pour l'isolation de ta maison. Puis, juste la circulation d'air en tant que telle. Tu peux te faire un mini potager. Ouais. Tu peux te faire pousser. Il y a une variété de plantes là, que tu peux te faire sur ton toit. D'ailleurs, on a gagné coup de cœur au Salon national de l'habitation à Québec. En termes de prix, on revient à la maison traditionnelle. C'est juste qu'on a une qualité de construction qui est plus haute. Donc, beaucoup plus durable, plus hermétique, transportable, modulable, facilement modifiable aussi. Sur le tournage du clip de Garou, c'était un plan séquence. Puis je faisais un voleur, je volais la cagnotte d'un itinérant là-dedans. Je partais à la course avec la cagnotte, le change dedans. Mais là, il y a du monde qui me courait véritablement dans la rue pour m'arrêter d'avoir volé. T'sais. Oh fait my god! La prod a dû aller dire ben là, excusez, c'est un tournage, il fait un voleur. Ah ouais, c'est bon, ça tombe que t'es crédible en tant qu'acteur. Ouais, ça vient passer, ça vient passer. Ah, sinon, écoute, une autre anecdote, vite. Dans Cheval Serpent d'ailleurs, Carmen et Micheline, qui sont deux dames qui jouent dans Les Détestables, bref, ils font des clientes qui sont tout le temps là en fait, là, dans notre bar. Puis à un moment donné, je descends de la scène, je m'en vais danser pour eux, nanana, je leur parle, je dis « Ah, c'est le fun, vous avez du fun, ce soir les filles, tout ça. » Ouais, puis là, Micheline, elle me lance « Je t'ai fait de la sauce à spag! Tu viendras chez nous la chercher! » Là, je suis parti à rire. Mais vraiment, là, j'étais plus capable d'arrêter. Puis là, ouais, puis là, il fallait que je retourne sur scène. J'ai trouvé drôle, ces deux-là. C'était dans son jeu d'acteur de dame au salon de danseur nu. Action. C'est mon haut du corps, c'est avec ma paume de main que je vais te faire tourner. Que tu me ferais tourner. Genre. Oui, faut que je te crampe. Je le lève de 2025. Non, mets ta main avec la mienne. Mon mais, on marche. C'est ça.
Non mais je pense qu'on a quelque chose.